Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tuto très important. Si ce n'est que une vidéo qui va changer presque votre vie. On va parler de Zabbix, ce que vous voyez ici. On a notre serveur qui est déjà là. On l'a déjà installé et configuré. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, on ne va pas rester à installer le serveur et faire tout ça. On va faire un raccourci qui va presque changer votre vie, mais aussi tous les cachetteries qui ça se trouve directement ici. Quand vous travaillez en entreprise, quand je dis bien, vous travaillez en entreprise ou bien vous êtes étudiant, que vous avez des projets à faire, le mieux c'est de s'adapter à la situation selon laquelle vous en avez besoin. Tout ce qui est installation n'intéresse pas personne. C'est la partie configuration qui intéresse les gens. Dès que vous avez par exemple installé, si ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas, tu n'as rien fait. Mais si votre configuration est bel et bien fonctionne à la merveille, là c'est bien, là c'est présentable. Alors je veux vous parler aujourd'hui du Cendrillon. Cendrillon n'est rien d'autre que un logiciel de supervision réseau, selon laquelle, si vous regardez bel et bien ici, nous pouvons voir beaucoup de choses. Mais avant toute chose, cette vidéo, on va le scinder en deux parties. La première partie, c'est l'installation d'une manière rapide. Et la seconde, c'est la configuration de parties graphiques. Si vous regardez très bien ici, vous pouvez voir directement qu'il y en a beaucoup de parties selon laquelle, à savoir, vous voyez directement le fameux fanal, il est directement ici. J'ai pas mal fait de certaines configurations, mais on va y revenir. Alors, comment on devrait directement se procurer de logiciel Cendrillon? On va venir directement ici, là où on a mis, pardon, ce n'est pas Cendrillon, c'est Zabbix. Aïe, 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 on va faire un petit peu du pause parce que le truc là des ordures commence directement à crier. Et le fameux pause. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper directement zabbix.com. Et dès que c'est validé, Zabbix va venir directement ici en format anglais. Je veux l'envoyer directement en format anglais. Vous voyez ici dans le... Désolé, je n'arrive pas à trouver là où je dois mettre le pause. Alors, on vient ici. En premier lieu, si vous regardez là, il y en a la partie download. Ce qui fait que c'est cette partie-là téléchargée. Si je clique directement télécharger, il va m'afficher l'agent Cendrillon, ce qu'on va installer sous Windows, mais aussi sous Mac. On va le parler après. On a aussi l'appareil Cendrillon. Et on va cliquer directement appareil Cendrillon, c'est que ça se trouve directement ici. Dès qu'on a cliqué dans Download, il y en a Cendrillon appareil. Mais là, ce fameux truc-là, il le traduit. On vient directement là. Et dès qu'on est là, il va nous dire directement que c'est l'ISO qui est dans la version Zabbix 6.0.
Eloisa Bix 5.4. Dès qu'on a cliqué ici, vous verrez directement que il y en a cette partie format de virtualisation. Et nous, ce qu'on a besoin en tant qu'administrateur réseau, vous devrez directement installer celui-ci pour travailler en virtuel. Vous n'avez pas imaginé que vous allez directement installer, c'est la partie virtuelle qui vous intéresse. Alors là, on va directement cliquer directement ici, là, ici dans Loud. Dès que vous avez tapé dans Loud, je sais que vous savez directement comment zipper le fichier, de zipper et tout ça. Et là, il va directement se télécharger. Au moment que le téléchargement est terminé, on va directement aller, pour ne pas tarder et prendre beaucoup de temps, on va aller dans mon propre disque. Je l'ai déjà téléchargé ici. Là, je l'ai zippé. Il n'y a pas de quoi directement à s'inquiéter, ça se trouve directement là. On va directement créer un dossier qui s'appelle Tito. Voilà. Tuto. On va copier celui-ci. Et on va le coller ici pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, au moment que c'est terminé, tout ça est terminé. Là, on va entamer à beaucoup de choses. Je voulais vous dire directement que Cendrillon, il fonctionne bel et bien dans le système CentOS, Debian, tout système open source, ça fonctionne. Mais si vous téléchargez Cendrillon, il faut savoir que si vous avez téléchargé l'application Cendrillon, c'est-à-dire le logiciel Cendrillon, là, vous avez téléchargé un système CentOS qui prend que le commande CentOS plus d'autres commandes selon laquelle il va directement les ajouter. Là, on va zipper directement le fichier. Alors ça, c'est un fichier WinRAR selon laquelle on doit directement le zipper et du coup, on verra directement le fichier selon laquelle nous, on a besoin. Alors, au moment que tout ça s'est fait, on va automatiquement se positionner directement ici. Mais en attendant, je veux éteindre notre fameuse Zabbix et commencer à faire notre nouvelle installation qu'on va directement ajouter. Alors, on va venir ici, que vous voyez très bien là. Vous allez vous positionner directement ici parce que nous, on va importer le fichier en tant que tel. Et là, on va taper directement importer. Et dans importer, on va traverser directement ici. On va aller là où le fichier ça se trouve. Et on va revenir directement supervision réseau. Il y en a celle qui est là. Et là, on va prendre directement le fichier en tant que tel. Et en ce moment, là-bas, le nom là va faire gazer parce que ils ont les mêmes noms. Mais c'est pas aussi compliqué que ça. Alors, je vais mettre encore un autre F comme ça là. Et je vais déplacer directement celui-là. Et si j'ai mis un autre F, ça refuse. Mais je vais directement continuer suivant. Et si vous regardez dans suivant là, vous pouvez trouver directement tous les fichiers nécessaires que ça se trouve ici. Et là, je vais lui dire directement de importer. Là, il va nous importer directement ce fichier. Et dès qu'il nous a importé ça, on va faire que la partie configuration de base selon laquelle on a besoin, mais tout ce qui est installation est déjà fait. Ce qui fait que on n'aura pas à beaucoup de choses directement à faire. Alors, mes chers amis, il faut être conscient que dans le domaine de la sécurité, le mieux pour vous, pour nous, en tant que administrateur,
réseau et système, c'est de comprendre la manière dont les outils en administrateur réseau et système fonctionnent. Le mieux, c'est de savoir plus et comment ça fonctionne. Il faut en avoir la curiosité là-dedans. Ne vous attendez pas que un tel professeur ou bien un tel va vous enseigner, et parce que là c'est grave. En master 2, vous aurez que 5 mois de cours. Si c'est maxi, ça doit être 6 mois, ce qui est totalement dommage. Et vous aurez directement l'embarras de choix d'aller prendre le sujet du mémoire. Alors, on va venir directement à réseau et on va choisir accès par pont. Et dès qu'on a accès par pont, on va le dire tout est autorisé, la câble est déjà branchée et là, il n'y a pas de souci là-dedans. On va directement valider ici. Et dès qu'on a valide, on démarre directement notre système Zabbix application et il va automatiquement redémarrer. Mais aussi, le système est déjà installé, configuré. Il nous reste juste quelques trucs directement à faire et là, le tour est joué. Voilà, ça c'est la magie du travail. Vous voyez que c'est un système CentOS. Vous le voyez très bien, c'est un système CentOS 8, mais spécifiquement dédié directement aux Zabbix. Parce que je parle souvent de Cendrillon, alors que ce n'est pas Cendrillon qu'on est en train de travailler, c'est Zabbix. Alors, ce système-là est totalement autonome. Il fait énormément de merveilles que vous pouvez vous contacter directement par vous-même. Alors, ce que je vais vous ajouter directement, dès que vous avez installé le système par défaut, sa propre adresse. Dès que vous avez installé le système par défaut, le login c'est root et le password n'est rien d'autre que Zabbix. Il faut le savoir. Ça c'est la première des choses directement à savoir. Par contre, l'interface graphique selon laquelle on va utiliser notre fameuse adresse IP du Zabbix, dès qu'on a tapé dans un moteur de recherche par exemple 192.168.1.62, il va ouvrir une interface graphique où on doit ajouter le login et le mot de passe. Et le login n'est rien d'autre que admin. Le A, il est en majuscule. Et le fameux password n'est rien d'autre que le fameux Zabbix. Ça, c'est par défaut. Tout ça, vous pouvez le changer après l'installation. Et on va directement voir tout ça en clair. Mes chers frères, mes chers amis, tout est terminé. Si on a dit tout est terminé, c'est que tout est terminé. Alors, il suffit directement de se connecter en tant que root et aussi ajouter directement Zabbix comme mot de passe. Parfait. Nous y sommes là. Il nous dit directement le Zabbix front-end, c'est-à-dire ça, c'est la partie, ceci est la partie qui va nous permettre directement d'accéder automatiquement à l'interface web selon laquelle nous on va utiliser. Il y en a le admin, il y en a le Zabbix qui est en bas comme password, username c'est admin et en bas c'est Zabbix tout en minuscule.
Pouvez-vous faire plaisir, parce que les bonnes méthodes, c'est mieux de le savoir. Vous prendrez votre directement outil capture d'écran et vous allez directement tout simplement capturer ici, jusqu'à là. Et après, vous enregistrez ça, si ça vous intéresse directement. Pour voir votre adresse IP, ce n'est pas la même chose qu'on tape directement ifconfig. Parce que si vous tapez ifconfig, ce commande-là, lui, il ne le connaît même pas. Malgré que c'est un système CentOS. Mais ce qu'il va comprendre, c'est IP, add, c'est-à-dire adresse, ADDR, et show. Et dès qu'on tape directement là, on pouvait voir directement que notre fameuse adresse, malheureusement, il a pris le même adresse, mais notre fameuse adresse, c'est le 192.168.1.62. Nous pouvons aussi changer complètement cette adresse à d'autres adresses si on a besoin, mais cela, on va pas compliquer les choses. Vous avez de la connexion, ça c'est bien, et là ça marche à la merveille, on va rien changer. Et dès que par hasard je viens là où ça se trouve, ce fameuse adresse, et je l'efface, je mets directement comme ça, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il va nous afficher qu'il y en a une erreur selon laquelle ça se trouve ici. C'est là où le magie du problème que ça se trouve. Si vous regardez dans les titres selon lesquels on regarde, on trouve directement que cela, les gens le font sans pour autant montrer ça. Le secret, je dis bien le secret, le magie de tout informaticien, c'est de savoir certains détails. Alors que tout le monde ne le met pas, ce détail-là, ce n'est pas pour qu'il vous tue votre vie. Mais je ne sais pas pourquoi, mais pour quelle raison. Mais dans notre chaîne, on a dit il n'y a rien du secret. Et c'est quoi? Qu'est-ce que nous devrons directement faire pour résoudre cela? C'est aussi simple que ça. Il suffit de revenir directement au système en question. On va directement se brancher. Mais il faut savoir que c'est un système CentOS, qui veut dire qu'on va taper Ubuntu. C'est-à-dire on va faire une mise à jour d'abord du système avant directement de se lancer là-bas, et vous verrez qu'est-ce que va se passer après. Au moment que on a tapé room update, il va faire une mise à jour du dépôt, c'est-à-dire il va bidouiller toutes les informations. Il va créer aussi, parce que ceci affiche un problème. Ceci affiche un problème de base de données, selon laquelle c'est comme si cette base de données a une erreur, alors que la base de données même n'a pas une erreur, il n'est pas réinitialisé. Je l'ai mis quelque part ici, que vous pouvez voir. Cette formation, ça sera une formation très capitale pour vous. Je crois, est-ce que j'ai fait un capture sur ça? Voilà. Et dès qu'on continue directement à taper, vous voyez ce genre de choses. Voilà, c'est ce genre de choses quoi. Soit on va taper énormément de code pour résoudre ce problème. Tout ce code bizarre là, on pouvait directement les taper, mais on n'a pas besoin. Ce qui fait que là, il me faut directement énormément de recherches pour que cela fonctionne. Qu'est-ce que je vous dis? Tout ce qui est refusé au moment de la configuration, dès qu'elle commence à faire le mise à jour, et là, vous verrez ici, boum. Il va venir, mais le mise à jour n'est pas encore terminé. Puisque le mise à jour n'est pas encore terminé, on va patienter jusqu'à ce que le mise à jour est terminé. Et là, nous pouvons accéder facilement. En premier lieu, dès qu'on a fait une mise à jour au système, à notre système d'exploitation, qu'est-ce que va se passer exactement?
Là-bas, il dit directement que la base de données en question est par défaut a une erreur. C'est comme s'il n'y a pas une liaison entre la base de données et lui. Soit vous allez le faire manuellement, c'est qu'on n'a même pas besoin de le faire, parce que vous pouvez aller directement dans différents fichiers qu'on va directement découvrir dans d'autres tutos et dans d'autres circonstances, surtout si on va le faire à Ubuntu ou bien à CentOS, sans pour autant que c'est le même fichier, c'est-à-dire on a installé notre système d'exploitation CentOS ou bien Ubuntu et nous voulons superviser le réseau de la maison. Là, nous devrons l'installer autrement. Mais dans la mesure du possible que vous vous trouvez à un instant donné que vous avez besoin d'utiliser cela, ce n'est pas la peine d'aller se saouler pour rien du tout au monde. Alors, mes chers compatriotes, voilà, ici là, on va taper yes pour faire un upgrade. Il va installer le 22 paquets, mais il va faire un upgrade pour assurer la partie sécurité. Et là, on va taper yes. Il va télécharger les différents fichiers selon lesquels nous on a besoin. Alors, qu'est-ce que je disais? Pour faire court, il faut savoir directement que au moment que vous faites les configurations, vous pouvez mettre même pause aux vidéos et vous allez directement lancer directement tout ce que j'ai fait. Et comme ça, vous verrez l'importance capitale de ça. C'est que ce qui est de secret ici, on a dit très bien, dès qu'on a téléchargé le fichier est venu, mais tous les logiciels qui sont à l'intérieur sont obsolètes. Le fait que les logiciels sont déjà obsolètes, le logiciel besoin directement, le système a besoin directement de certains paquetages qu'on doit directement le télécharger. Au moment que vous avez téléchargé le package, là, le système va aller automatiquement ouvrir la partie web. C'est-à-dire, il va entrer à la base de données MySQL et il va aussi créer l'utilisateur Zabbix et il va aussi mettre directement le mot de passe. Je me dis bien que on va faire ce tuto, une autre installation dans un système CentOS ou bien Ubuntu, n'importe quel système Linux, mais ce système-là, c'est que la seule différence, c'est que on n'a pas. C'est un système qui est déjà totalement installé, qui n'a rien à voir avec Zabbix. Et dans ce cas, vous verrez directement l'importance de savoir faire au moment de la difficulté. L'entreprise a besoin directement de gérer tout. Vous voulez savoir directement les machines qui consomment énormément de processeurs, ce qui consomme énormément de ressources de l'entreprise. Vous pouvez directement le découvrir par là. Vous pouvez mettre votre email qui vous envoie directement de email. Il y en a énormément de choses à découvrir là-dedans, mais ce n'est pas sur ce tuto. Sur ce tuto, c'est la manière la plus simple, la plus noble à faire cela sans souci et à être bon, à être efficace, à proposer des solutions à l'entreprise à l'immédiat où il y en a un souci. C'est ça l'objectif de ce tuto. Alors, nous devrons patienter pendant un certain temps. Ça va terminer. Après, on va accéder à la partie interface graphique, ce qui fait que c'est la partie web qu'on va l'accéder. Et dans ce cas, vous verrez l'importance de tout cela. Vous voyez, la partie web, il est déjà là.
Il nous reste directement à tout balancer ici et là, le tour est joué. Et comment changer le mot de passe? On va directement voir tout ça en clair. Et là, au moment qu'on est là, je vais vous expliquer encore quelque chose. Ici, c'est ce qu'on appelle Zabbix Agent. Le Zabbix Agent, il y en a la partie Windows qui est là. Là, il a traduit directement, mais en réalité, ça, c'est le Windows. Vous regardez directement votre système que vous utilisez, par exemple celui-ci. Et vous allez directement cliquer ici là. C'est très important de savoir le système en question que vous utilisez pour que vous puissiez directement installer la bonne version selon laquelle il doit directement communiquer. Entre-temps, pour moi, je veux... aller désinstaller celle que j'ai déjà utilisée pour que vous puissiez directement vous sentir à l'aise. Et là, vous aurez directement la manière la plus simple à utiliser directement cela. Alors, on a le fameux Zabbix. Voilà, le Zabbix Agent, il est là. Je veux le désinstaller en attendant qu'il termine là-bas. Et on va directement voir ça en clair, comment l'installer aussi dans votre système Windows. Voilà, parfait. Alors, regardons ce qui se passe sur l'autre côté. Alors, l'agent Zabbix va nous permettre directement de lier le serveur et le système en question. Tout système de l'entreprise pouvait le relier et la base de données de Zabbix, il va directement communiquer avec l'agent selon laquelle il recrute toutes les données, toutes sortes de données qui se passent dans les différents ordinateurs de l'entreprise et qui vous l'envoie automatiquement, soit par email. Et dès qu'il y en a une alerte d'une consommation colossale d'un tel poste, là, il fera directement l'alarme, il fera directement le sonnerie de l'alarme pour que vous puissiez directement éviter les pertes ou bien les vols qui se passent dans les entreprises, les vols de données. C'est son rôle principal. Alors, il nous reste pas mal de choses. Et il y en a la partie sécurité qui n'est pas encore installée. Alors, pour installer ceci, il suffit directement de cliquer là. Et là, il va venir directement ici, là. Vous allez taper Next. Vous acceptez la licence en question. Vous validez ici. Et là, c'est l'hôte de l'ordinateur en question. C'est-à-dire votre ordinateur, vous devrez directement le dire là-dedans, mais lui, il le prend par exemple par défaut, disque top, etc. et tout ça. Et puis, ici, vous ajoutez automatiquement votre fameuse Zabbix dans le path. Ici, vous ajoutez directement votre fameuse adresse IP du serveur. C'est 62 si je comprends très bien. Et là, on va taper directement Next ici. Mais pour le moment, tout le reste, on va le laisser directement par défaut. Par exemple, agent liste port. Ici, ça, c'est le port selon lequel il va utiliser. Ici, là, ça, c'est la partie locale selon laquelle on va directement utiliser. Mais on doit patienter jusqu'à ce que ça se termine pour bien vérifier, être sûr et continuer directement le travail.
complètement oublié comment mettre un pause, quoi. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est presque terminé. Il reste la partie réseau. Voilà. Ici, comme vous voyez, ici, il y en a la partie clé, etc. et tout ça. Selon laquelle on pouvait directement importer. Mais nous, on n'a pas besoin. On va directement rester par là. Voilà. Et si on tape IP ADDR et show, vous pouvez voir que on a le même adresse. Alors nous venons directement ici, valider et on le laisse tout par défaut. Et il continue son travail. Voilà. Parfait. On retourne là où on pouvait directement faire quelque chose. C'est admin. Par contre, le mot de passe qui est là, j'ai changé mon mot de passe. Là, je dois directement tout simplement effacer cela. Je vais actualiser d'abord. Admin. Voilà. Parfait. Là, on est revenu directement ici. L'autre là, là-bas, j'avais déjà modifié le mot de passe. Ici, comme vous voyez, le tableau de bord, il y en a pas mal de choses directement à faire. Il y en a la partie haute, et ça se trouve ici. Vous pouvez mettre le nom, le groupe. Ici, par exemple, mettez le nom, groupe, etc. et tout ça. Vous pouvez directement faire les informations ici sans problème. Mais avant toute chose, il suffit directement que vous ayez dans la partie configuration. Et si vous regardez la partie configuration ici, vous voyez directement, il y en a groupe d'hôtes par exemple. Nous pouvons créer un groupe d'hôtes. Alors, nom du groupe d'hôtes, par exemple, on va les appeler Fanahal. Sécurité informatique, on l'ajoute ce groupe, ajouter un nom ici, le même nom, Fanahal sécurité informatique. Nous validons directement là. Voilà, on va taper ici appliquer. L'autre, il est déjà ici, il est déjà ajouté là. Ça, c'est qui est de bien. Et dès qu'on revient par exemple ici, nous pouvons finish. Nous pouvons sélectionner ici, là où il y en a le serveur Zabbix. Je l'ai déjà sélectionné. Je sélectionne par exemple le groupe d'hôtes.
Je peux voir qu'il y en a pas mal de systèmes d'exploitation ici, bases de données, etc. et tout ça. La téléphonie, par exemple, si c'est la téléphonie IP, système d'exploitation, vous pouvez choisir directement ce que vous en avez envie. Mais ici, on a besoin d'un agent Windows par agent Zabbix. On va directement le mettre directement là-dedans et ici. On va choisir le nom, là, le port selon lequel le machine ça se trouve. Il suffit que vous venez directement ici, vous tapez, ça se trouve en bas là, mais il suffit de taper ipconfig. Si vous ne savez pas, ça c'est le même adresse, on va le rajouter là. Et là, un petit boom ici là, nous pouvons directement taper là. Il va directement automatiquement enregistrer tout cela. Alors, là, je vais revenir après, mais ce que je voulais directement vous faire savoir, parce que le vidéo, ça peut être totalement long et ce qui n'est pas du tout bon pour nous, c'est que si vous voulez, au moment que vous avez tout installé, vous voulez directement régler tous les soucis, il suffit de venir directement ici, choisir d'abord votre pays. Moi, je suis au Sénégal. Dakar, je veux descendre un petit peu ici jusqu'à Afrique. Afrique, Dakar. Voilà, Afrique. Dakar, il est là. Je veux changer le mot de passe. Là, je veux mettre un autre mot de passe, par exemple. Je mets par exemple un autre mot de passe. Hein. Si le mot de passe n'est pas totalement bon, là il va forcément le refuser. Et là, si vous voyez ici, j'ai changé le mot de passe. Il a mis directement le mot de passe à jour. Mais ce qui est très important ici, à savoir directement dans la partie config, il faut savoir qu'il y en a beaucoup de choses ici à profiter. Vous pouvez profiter énormément, énormément de choses. Il y en a la partie authentification, il y en a beaucoup de choses directement à savoir ici. Et chaque chose représente énormément une occasion en or de découvrir beaucoup de choses dans votre vie. Alors, pour vous faire simple, là, je crois que on a fait le tour, on a fait le tri. On va revenir après. On va revenir après et là, vous verrez directement. Vous verrez l'importance de tout ça. Parce que dans ce milieu, le mieux, c'est de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Il y en a la partie authentification, mais on ne le touche pas. On ne touche pas beaucoup de choses aujourd'hui. Pour réserver tout ça, voilà, si vous regardez administrateur, il y en a la partie authentification. Et vous voyez automatiquement ici ce qu'on appelle LDAP. Le LDAP, ça c'est comme Active Directory, mais c'est en partie la partie selon laquelle nous pouvons dire directement que c'est la partie Linux qu'il dit, il est à Active Directory, là-bas il parle directement de LDAP. Alors, mes chers compatriotes, je vais vous laisser là et on se dit à très bientôt pour le nouveau tuto, pour le prochain tuto sur la manière, le fonctionnement, comment ça fonctionne, le Zabbix. Alors, je vous aime tous. Et merci aux personnels, aux personnes qui sont fait le nécessaire pour qu'on arrive aux 519 abonnés aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je ne sais pas.
comment je peux devenir sans vous. Et cela, il n'y en a aucun doute. Ma famille, c'est vous. Et j'espère que je fais partie de la vôtre. Merci, merci infiniment.